Yo yo, yo yo, Sommet Gevetto, Wagirl, on se retrouve, les amis, on se retrouve pour Red Dead Redemption, le petit Kéran Naclé là qui lave la table, espèce de vieux pigeon que tu es, sale pédé. Ouais bon, au KLM, allez Esteban, on est parti. On se casse de ce camp de gitan de merde. Parce que voilà, ça me casse les couilles de passer pour un tangi alors que je suis un cow-boy. Merde! Quand même! Par ma femme, je suis lié à la communauté cow-boy et à l'Amérique! Merde, quand même! Bon, j'espère que vous allez bien. J'aime bien le dire. On est au petit matin. Donc rappelez-vous, au dernier épisode, j'ai joué les huissiers de justice. Je suis allé piave la thune d'un Polak. Hein, PLK, il est pas content, mais il est en fit avec Mr. V. Au moins, il a percé. Puisque maintenant, les rappeurs, vu qu'ils sont tous pourris, ils ont tous des noms de merde, ils doivent collaborer avec des comiques pour faire des vues, quoi. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Pop, 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 pop. Ou Fabrice Eboué du rap, tu fermes ta gueule. Merci. Bon, du coup... Valentine, c'est par là. On va regarder. Donc, là, j'ai plusieurs missions. Je vais aller faire l'huissier de justice. Je vais aller voir Chic Matthews. On va aller le taper un peu. Donc là, on a la mission de Dutch qu'on doit faire. Là, c'est quoi? Thomas Downs. Ah, c'est... Ah oui, ok, c'est un truc d'usure et de péché. On a Javier qu'on doit finir. Et on a une nouvelle mission qui est apparue, vu que je suis tombé sur une lettre, en fait. C'est l'ancienne go de... L'ancienne go de Arthur qui demande de l'aide, tu vois. J'aurais dit, ouais, yo-yo, je suis à Valentine, viens me retrouver, viens me baiser la chatte, quoi. C'est ça un peu le deal, quoi. Parce que moi, j'arrive, je fais... Je mets un coup de pied dans la porte, j'arrache sa robe et je démonte la chatte, quoi. Tu m'as compris. Tu m'as compris, là, je me mets au-dessus et je défouraille. C'est, de toute façon, y a que ça qui compte, quoi. Y a que ça de vrai. Y a que le plaisir masculin, dans un sens. Parce que, même dans un sens, enfin, si je ne m'abuse, moi, je suis personnage joueur, y a que mon plaisir et mes émotions qui comptent. Le reste, c'est de la merde. Même là, je vous fais des vidéos, mais en fait, c'est juste parce que je joue au jeu et je me dis, allez, dans ma grande bonté, je vais vous faire une vidéo à balade. Mais en vrai, ça pue la merde. En vrai, dans un sens, vous êtes des PNJ, dans un sens, enfin, il faut le prendre comme ça. Prenez pas mal. Hein. Certes, des bons PNJ, bien écrits. Franchement, le développeur, il a bien bossé. Il y a eu des easter eggs, des privés jokes, mais ça s'arrête là, quoi. Le mec odieux, quoi. Non, mais dans un sens, mais c'est une vraie question. C'est que dans un sens, quand on parle de souffrance animale, souffrance, dans un sens, on suppute du verbe supputer, on suppose plutôt que la douleur est pareille. Les émotions sont pareilles chez les gens, mais dans un sens, c'est juste parce qu'on ressent ça, on imagine que la personne ressent ça. Mais ça, c'est tout autre chose. C'est un autre débat, un autre délire. Donc voilà, c'est ça aussi. Et donc du coup, dans un sens, quand on dit oui, les animaux, ils souffrent et tout, j'ai envie de te dire peut-être, mais moi, je ne souffre pas. Donc et je ressens du plaisir en les mangeant. C'est ça qui est beau. Tu vois, c'est un peu... Wesh, dis-moi pas que c'est la ferme des autres enculés. Et pourquoi il m'a dit de faire le tour, cet abruti? Et je l'ai déjà visité, cette ferme. Sorry, boy. Y a-t-il des petits PD ici? Ici l'huissier de justice.
Oh, d'où c'est fermé. Oui, oui, oui. Et là, 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 il va... Là, 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 j'accepte pas. Je sais qu'il y avait une porte de l'autre côté. Et d'où c'est pas ouvert, là? La dernière fois, c'était ouvert, bordel de merde. Bon, ouais, faut que je trouve des mecs, que je les capture. Y a-t-il un petit connard par ici? Il y a personne. Il y a un cheval là. Ah bah il y a un pigeon là. You chick? I was told I could find a chick Matthews up here. Chick Matthews? You might want to talk to that fella over there. Nah, I'm just here to work for the season. Quel type là-bas? Quel type? Ah, ce vieux gars. Ah, il y a un petit shot même. Non, il est pas ouvert. You chick Matthews? Oh no, not me, sir. That's the greenhorn over there. Oh, and there he goes. So long, long shot. Damn it! Hey! Bon, espèce d'enfoiré. Us l'enfoiré, comme dirait l'autre. Allez, mon petit con. Je vais tirer dans son cheval, c'est pas possible. Je vais tirer dans son cheval. Eh mais il est pas mort, j'ai tiré dans le cheval, la putain de ta race. Il est tout boueux maintenant. Là. Si quelque chose venait à m'arriver, mes positions sont cachées ici. Blablabla, la route. Oi, oi, oi. D'où la zone, elle est indiquée sur la carte. Et mais je l'ai pas tué. J'ai tiré dans le cheval, vous pouvez être témoin. Aïe aïe aïe, ça m'a saoulé cette histoire là. Est-ce que je peux tuer ce cheval? Non. Allez, roule. Fouiller la zone en surbrillance. C'est bon, j'ai trouvé. Je tombe sur. Déjà, on va prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'être récupéré. Bon, c'est pas fou, mais ça fera l'affaire. Et mais ça m'a saoulé cette histoire là. Il était pas censé être mort, cet enfoiré. C'est quoi cette cabane là? Easy now. Tu restes là. Ah oui, très bien.
Très bien, très bien. À la deuxième heure, sous la désignuelle de la grâce, notre sauveur, le voyageur du temps, pour que le vaisseau... Je suis sûr, il y a des histoires là, puisqu'à chaque fois... Ouais, je fouille la cheminée, il y a peut-être un truc. Rhum de pirate. Ça fait plaisir. Vu qu'on est là, autant en profiter. Hein. La piraterie n'est jamais finie. Wow. La vieille secte. Ouais, je suis bourré. Carte de paquet de cigarettes. Ouais. Table de nuit. Gomme à la cocaïne. Cocaïna. Ah, des cigarettes. Vu qu'on a réussi à faire l'huissier. Ah oh, oh, arrête de monter sur les lits, il y a des cadavres. Ça se respecte. Médicaments miracle, on en a déjà. Là c'est quoi? Là on sait pas. Des tonneaux, des merdes. Bon bah on va aller chercher le reste de ce qu'on a. On va aller se faire de la maille. Oh, ferme ta gueule. There we go. C'était quoi l'animal dangereux? Ah, peut-être un serpent. Le mec qui fouille. Oh, quel nulos. Mais t'es pas mort. Lève-toi. Lève-toi et marche. Aïe aïe aïe. Et vous avez jamais remarqué que des fois dans le bus t'as des gens ils parlent en grec comme dans Age of Mythology? Leye Metales Frutomos Eye. Ouais. Non, voilà, ça pourrait être mal interprété, mais dans un sens oui, c'est un bouillon de culture, on va dire. Petit lapin. Aïe aïe aïe. Howdy. Morning, partner. C'est un berger ou un je sais pas quoi. On s'en bat les couilles. Wow, easy. Le cimetière. Yep. Bon, on va chercher la petite salope, hein. Et toi, la petite... Oh, come on! Why has it always gotta be such a goddamn performance with you? Now, I told you I'd get you the money next week, and I'll get it. If you didn't make it this week, who's to say you'll make it next? Don't you take that tone with me. I thought you said you loved me. I do. I do. But what I get paid ain't enough for one person, let alone two. Your money's gotta be your problem now. The only problem I got is this bleating going on in my ear. Now lay off it, Lily. God damn it. Lily, where's our money? What? That loan you took. It's payday. I'm sorry. I don't have it right now. Well, then, I guess we got a big problem, don't we? Cooper, give him what you've got. I ain't giving him nothing. Except a lessening damn murder. Et tu fais quoi là? Et tu fais quoi là, salopard? Au moins il se défend plus que le polonais, hein. Ah!
Ouais, je suis pas sûr. Mademoiselle, il faut... Law hear about this? I didn't steal that. It's a debt. Oh, damn it. What do you want? Quoi, braquage? I got nothing to say to you. Hey, stop! Out of the damn way! Nothing to do with you. What in the world? You now. Espèce de petit bâtard. Don't do this. I presume that means yes. Ah merde. Faut que je me barre. Bon là, quand c'est œil blanc ça va, mais quand c'est œil rouge, là il y a des problèmes. Il y a Eja comme on dit. On va quitter le village, on volera un cheval sur la route, ouais. Oh wesh, d'où y a la police là? Mais niquez-vous! Niquez-vous, j'ai chopé les dettes que vous allez vous faire enculer. Du coup, j'ai les dettes. Donc je peux les ramener au camp. Et dès que je croise un cheval, je le péta. Oh putain. Ah bah tiens. Hello. Get out of the way, damn you. Eh fils de pute. Mais merde, il y a des mecs qui vont arriver, c'est des chasseurs de primes, je suis sûr. Ces petits salopios là. Bah attends. J'ai trouvé un endroit histoire de les accueillir comme il se doit, ces petits bâtards. J'ai grimpé en hauteur. Ah non, il me suit plus. Quelle bande de fiottes, ces chasseurs de primes. Donc ouais. Ah bah tiens, un carrosse. Enfin, ouais, une diligence. Fils de pute, tourne par là. Espèce de connard. Espèce de connard. Ouais, mais merde. Quel jeu de merde. Ouais, j'ai hésité à le tuer. Je me suis dit, il a peut-être une famille... Ouais. Bon. Dans ce cas-là, on peut se fumer une petite. À base d'éperons. Puis on va marcher. Peut-être on tombera sur des trucs de dinosaures, des bamboleilles, des... C'est quoi ça? Des herbes magiques, des animaux, des conneries, quoi. Carottes sauvages, ben voilà. Ça fait type à plaisir, des carottes. Bon, y a pas un cheval ou quoi? Merde! On se croirait dans GTA Vice City, genre tu te retournes, t'as plus rien. Hello, Little Havana. Bon, ouais, on va aller à la ferme. À la ferme. Ah ben oui, c'est là où il y a mon cheval, je suis con, moi. Mais qui les con, ce garçon? Qui les bête, cette alouette? Au pire, ça fera un peu d'entraînement. Wesh, fais pas le fou. Fais pas le fou, Dogo. Fais pas le fou, Dogo. Fais pas le fou, Dogo. Hello boy. J'étais prêt à buter un chien. Vous vous rendez compte ce que le jeu vidéo rend violent de toute façon. Et toi tu fais quoi à prier Allah? Allah. Hey, on prie pas là dans mon jeu là.
Good God! Just shut up. You don't know me. That ain't even called for. Next up, you giving me everything you got on you. Hey, no need for that. I mean, now! Tu pries pas Allah! All right. Oh, c'est bon ça! Hey there. Et le spire porté par le game. Viens par là, mon petit. Mon petit loup, viens par là, je suis un loup-garou. You idiot. Last damn chance. Laissez-moi tranquille. Just leave me alone. Leave me alone. Je vais ouvrir ta baraque. Il ne souhaite pas. Pourquoi il y a des pulsions meurtrières comme ça dans le jeu? C'est quoi ça? Le quoi ça pêche peu, mais il rapporte du comorien. Je dis ça, je dis rien. Bon, on va ramener les dettes, puisqu'un Lannister paye toujours ses dettes. Mais ça se fait pas, j'ai tué un mec qui priait Allah, je l'ai tué, tu vois. Enfin, c'est ce qui prouve mon degré d'infamie. Je suis une personne affreuse. Et là, je fais quoi? Les missions du huissier de justice, tu vois, il y a des missions intéressantes, tu vois. Genre, on va regarder la liste des missions. Là, t'as sauvé sa meuf. Là, t'as Dutch qui veut faire du Dutchy King. Là, t'as Javier qui veut sauver ses potes. Mais moi, je fais quoi? Je collecte les dettes. Je tue des mecs. Désolé, les gars, mais voilà, c'est... Ouais, mais c'est pour améliorer le campement, mon gars. Mais ouais, je vais continuer à faire l'huissier. Hein. Au pire, je vais pas aller rendre la dette maintenant. Je vais aller faire la mission là d'huissier là. Huissier Thomas Dawn. Et ensuite, on ira rendre tout ça en un coup. Quitte à être un connard, autant aller jusqu'au bout. Hein. Je dis ça, je dis rien. Excuse-moi, petit cheval. Allez, tiens, une petite picouze. Hop. Et je vais te filer. Mange des galettes d'avoine. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, espèce d'enfoiré? T'es qui, toi? T'es qui, espèce d'enfoiré, là? On dirait un clochard. Ah, merde! Ah, merde, tu es un enculé! Ah merde! Je crois savoir, je l'ai déjà rencontré en jouant, c'est un clochard aveugle et tout. Et je l'ai buté parce que voilà. Bon, après, vu que c'est un événement scripté, ça se trouve, il reviendra. Puis là, je vais aller buter le campement puisque voilà. On n'est pas à ça près. Ah, il est un peu. Ah, le campement d'une bande. C'est des Audriscoll. Bon allez.
Il est nul ce fusil. Ah fuck. Il reste encore un. Bon bah les O'Driscoll sont O'Driscollisés. J'aurais pu mourir. Quel connard, mais quel connard. Eh, faut arrête de faire le con. Je vais manger des haricots rouges pour bien péter. Oh, ah putain, il y a deux tours disco là. Allez, ça dégage. Et le deuxième. Allez. Au revoir, merci. Faire du bif, de la moula, du caramel. Ah mais c'est pas ma faute s'ils sont cons. Bon, le cheval, tu viens ou quoi? Ah, il est là-bas. Merci. Reste tranquille, cheval. Maintenant, on fouille le camp, voir s'il y a des trucs intéressants. Pommade pour les cheveux, ça peut toujours servir. Nanani. Là, ils ont quoi? Cigarettes de qualité. Ça fait toujours plaisir avec des cartes. Des galettes d'avoine, ok. Là, c'est quoi? C'est des légumes. Ça fait plaisir. Ça va, Esteban? Tu te mets à l'aise? Tout le monde se met à l'aise. Des stades remplis. Sous haute surveillance. Allez, on détruit tout ce camp de merde. Allez, que tout flambe. Oh, cheval, là. Fais pas le gay. Fais pas ton Esteban. Allez, pour t'habituer à aller dans le feu, on passe à travers le camp. Par là. Hi-ha. Oh merde, il va brûler, il va brûler. Je suis complètement con. Merde, il est vraiment mort! Merde, je suis con! Oh, je suis putain de con! Je suis un putain de teubé! Oh merde! Aïe aïe aïe, quel nulard! Mais putain, mais pourquoi il y a encore des connards qui veulent ma mort là? Bon, au moins les cadavres seront débarrassés, ça c'est une certitude. Ah mais c'est que j'ai une grosse prime en fait, c'est pour ça que les gens ils veulent me faire chier. Mais faut que je réussisse à choper un walk. Mais putain, mais ça crame bien en fait. Alors, je vais récupérer la selle.
quel nullard, mais quel nullard, c'est pas possible. L'accident bête. Bon, faut que je me barre avant que les renforts arrivent. Bon, ouais, on va reprendre Tennessee Walker. Genre, ils m'ont pas vu, là. Putain, faut que je trouve un moyen de me planquer. J'irai chercher ma selle plus tard. Ouais, je vais monter sur cette petite butte. Essayer de les choper. Mais pourquoi ils me suivent plus, ces gays, là? Oh, la belle tête. Je sais que mon cheval est mort. Il faudrait que j'en garde un. Oh, ça c'est beau ça. Mais par contre les chevaux, les chevaux, vous pouvez rester, hein, ce serait... Ouais bon, je vais pas me faire chier à... je vais pas me faire chier à récupérer ma selle, j'irai chercher Tennessee Walker à la ville, en ville. Putain, mais c'est pas possible. Y'a pas un cheval qui traîne? Ils sont chiants les chevaux à se barrer dès que ils se font buter ou coquer ça. C'est énervant. Ces chevaux fiotent. Oh, du millefeuille. Je vais remporter un défi grâce au millefeuille. Là, il y a un truc. Et mais cet épisode, je pensais pas du tout que ça allait, qu'il allait y avoir du bordel comme ça. Moi, je pensais tranquille. Mais non. Toujours le bordel. Toujours le bordel. Une journée bien remplie dans la vie d'un cow-boy. Hop, et je crois qu'il me manque un millefeuille et ensuite je pourrais... C'est quoi ces herbes? Moi je prends tout. Je prends tout, s'il y a du craft, je craft. Origan. C'est bon ça l'origan. Pour faire des petits plats là, de la cuisine comme on appelle ça. Fuck. Ah bah tiens, des aromates. Attends, non, c'est ce bouton. Suzanne a demandé des aromates. Donnez les plantes à Suzanne. Ok. C'était quoi cet oiseau nul? Pourquoi il marchait? Cadavre de Kai. Ah, des champis. Mais il est où ton champignon, là, fils de chien? J'ai couru comme ça. Je devrais le voir, ton champi. Bon, bah, tant pis. Tant pis si je me méfie.
Oh, espèce de connard. Espèce de connard. Non, son cheval, là. Putain de bordel. Reste là, cheval. Oh, au bout d'un moment, il va s'arrêter. Il a déjà des poupées. Ah non, il est là. Enquête en cours. Hop, on va aller chercher Tennessee Walker, on s'en fout. On va à Valentine. On va chercher Tennessee. Et ensuite, on va faire le zbeul, quoi, tout simplement. Tennessee Walker. Après de grandes batailles, les doux, je suis recherché, là, me cassez pas les couilles. Me cassez pas les couilles, je suis pas recherché, la putain de votre race, là. Mauvaise idée de... Je pensais pas perdre tout ça, quoi. Je m'attendais pas à ça. Allez, mais rentre dans le truc, là. $1 ce cheval. Wesh. Ah, wesha, wesha. Allez, donne-moi Tennessee Walker. Allez. Je peux l'améliorer. Ah oui, équipement. Allez, merci. Bon, j'espère que c'était bien la pension, Tennessee. J'espère que tu t'as compris la leçon. Tu vas pouvoir être plus gentil, plus obéissant. Ok. Ok, Tanel. Là, on va aller collecter des petites dettes. Et ensuite, on retournera à la maison tranquillement, quoi. On va passer par la forêt, histoire d'être discret. Discretos. Ferme ta gueule. C'est quoi cette maison cassée? Il y a plein de trucs. Oh non! Espèce de con. J'ai un cheval qui a brûlé. Voilà, merde. J'en ai assez de d'un cheval mort, quoi. C'est nul. Come on. Come on. Hey, move. Ah mais cet épisode du démon, quoi. Donc je vous ai promis, on va aller voir le gars, je pense que c'est cette baraque. C'est cette baraque. Encaisse. Mr. Thomas Downs? Yep, that's me. You owe me money. Oh, no, I'm... We ain't a charity, Mr. Downs. Really? Threaten me, would you? Please, I have a family, sir, please. Je m'en bats les couilles. I don't care about your family. Allez, donne-moi l'argent. Allez. You have to be more reasonable. Hey, the money.
Allez, allez, on donne l'argent. Now, wouldn't paying up have been a little easier? Tu donnes l'argent. Il n'y a pas de raisonnable pas raisonnable. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Tu veux te calmer? Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money! Mais vole l'argent, là! Pourquoi tu te casses? Vole l'argent! Il va se passer un... Il va se passer un truc. Fais gaffe, Arthur. Fais gaffe, Arthur. Ah, c'est le camp. Il y a trop de bougies là. Ouais, je reviens avec Tennessee Walker. Qu'est-ce que vous allez me dire? Bande de filous. Bon, je vais voir Herr Strauss. Herr Strauss? Vous allez bien, Herr Strauss? Là, le plan a échoué. Il va me dire, ouais, vous t'as tapé trop de mecs. Ouais, je m'en bats les couilles, je fais la mission, tu vois. Oh, fils de filou, là. Ah, ils habitent en face, en plus. Ah, how did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Très bien. Super, fallait que je dise, j'ai tabassé un mec. Ok, bon c'est pas grave frère. Mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Eh ouais, je dépose les dettes. Je mets du bif. $31. Ouais, ça pue la merde. Ah si. Hop, je vais mettre des petits objets, peut-être que j'en ai. Boucle d'oreille. Attends, je vais les garder, puisqu'on peut fabriquer des objets avec. Les montres, par contre, je vais les mettre, ça vaut de la thune. Hey, Karen. La chevalière, ça vaut de la thune. La montre en argent, de la thune. $5, c'est pas rien. La pince, la pince... Le reste, je le garde, puisqu'il y a marqué « peut être utilisé pour faire du craft ». Donc, je garde. Ah ben voilà, ça fait du bif. Et là, je fais « registre ». Et je peux encore améliorer le quartier, quoi. Donc là, c'est ce qu'on a donné. Donc, regardez, Arthur, Arthur, il n'y a que moi qui donne. Parce que les autres, ils donnent rien, ces gros crevards. Ils vont pas me faire style. John, il a donné 84 centimes. L'autre, 15 centimes. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est moi qui ramène l'argent ici. Donc là, je peux faire aiguiser l'essence, des médicaments, des fruits frais, des munitions. Arthur veut une carte pour ses expéditions. Un relais pour chevaux. Des fermiers vendent de vieux poulaillers. Des outils pour le cuir. Ah ouais, ça peut être bien pour le craft, ça. Vas-y, j'achète ça.
Ah oui, j'ai dépensé l'argent du truc. Ah oui, j'ai dépensé l'argent du camp, plus j'ai dépensé mon argent. Ok. Attends, il me reste quoi ? Ouais, je vais acheter le poulailler, ça peut faire de la bouffe, c'est bien. Les côtes-côtes, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours à bouffer. Des œufs, des cuisses de poulet, on se met bien, quoi. On se met à l'aise. Hop, et puis on va se faire... attends, je sais même pas, je vois même pas la thune que j'ai à cause de... à cause du... De... Ah, j'ai 124$, c'est ça ? Je sais pas. Je sais pas du tout, sale pouilleux. Où c'est que je peux voir ? Ah non, là, je peux voir mes aventures. Je peux voir l'ours, je peux voir les trucs, le fusil. Et le mec, il est chaud. Peut-être dans la sacoche. Ah oui, 134$, ok. Bon, bah, je vais me faire du bif et puis on va continuer. Hein. Mais ça, c'est pour un prochain épisode. C'est pour un prochain épisode. Et sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Ciao, ciao. La cowboyerie n'est jamais finie.